Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 juillet. Et le titre du jour est Dollars et taux au centre des attentions. En effet, le dollar a repris du poil de la bête et a fait baisser de nombreuses matières premières ainsi que des paires de devises. Les taux sont extrêmement bas. Ils sont sur des plus bas historiques dans de nombreuses zones économiques et cela engendre des déstabilisations sur le marché obligataire, mais également sur les métaux. On a l'or et l'argent qui sont particulièrement recherchés ces dernières séances et ces dernières semaines. On a de nombreux mouvements aussi sur les matières premières agricoles. On va en parler tous ensemble. Donc voilà, on est dans des marchés volatiles, on a des indices qui sont sous pression, on a des actifs refuges qui sont recherchés, le dollar, le yen. On a la volatilité qui reste tout de même relativement faible, signe que nous ne sommes pas non plus dans un marché de très forte aversion au risque, du moins de panique. Donc voilà, nous allons faire le point sur la situation. Bienvenue à tous pour la matinale et je salue également tous ceux qui regardent cette émission enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, les indices sont sous pression. Néanmoins, le SP500 a pris appui sur sa moyenne mobile à 15 séances hier à 2077 points et il se stabilise depuis. Sur les indices européens, on a le DAX qui est revenu sur la zone des 9 350-9 400 points. Il va falloir voir si l'indice arrive à se reprendre. C'est plus ou moins la même chose avec le CAC 40 dans la zone des 4 100 points. Nouveau plus bas de 31 ans pour la livre à 1,28 $. En effet, cette nuit, il y a eu une poussée haussière sur le dollar américain qui fait office de refuge. Ça a fait baisser l'ensemble des paires en dollars et notamment la livre. Sur la livre, vous vous en doutez, il y a de nombreux opérateurs qui sont sur la livre en ce moment, il y a beaucoup de volume. Or, quand il y a un décalage comme ça qui s'opère sur le dollar, eh bien, la livre est la première paire à en faire les frais. C'est la raison pour laquelle la livre est passée très rapidement de 1,30 à 1,28. Néanmoins, on peut noter que depuis ce test des 1,28, la livre a repris plus de 150 pips en ligne droite. Nous sommes donc peut-être sur un essoufflement baissier de court terme. Ce sera à confirmer par le comportement du dollar d'ici ce soir, avec notamment les minutes du FOMC. Le pétrole Brent teste positivement les 47 $ hier et encore ce matin. Le soutien sur le Brent, c'est la zone des 46,80-47 $. Tant qu'on tient cette zone-là, on pourrait se stabiliser. Le blé retrouve les 410 cents par boisseau. C'est un support pluriannuel depuis 15 ans. On va voir cela dans la partie graphique, mais en tous les cas, les cours du blé ont chuté de 20% ces 4 dernières semaines et retrouvent un support majeur. Et puis, nouveau plus bas historique sur de nombreuses banques européennes et notamment la Deutsche Bank à 12 euros. Ce qui montre bien que le secteur bancaire est toujours sous une très forte pression. Ensuite, on passe aux actualités macroéconomiques. JP Morgan rappelle que la hausse de la semaine passée était une anticipation de l'action des banques centrales et non pas un enterrement du Brexit. JP Morgan estime également que la probabilité de non-occurrence du Brexit est désormais inférieure à 20%. En Angleterre, Theresa May a sécurisé la moitié des voix des membres du Parti conservateur et elle pourrait prendre la place de David Cameron au mois de septembre. Et puis hier, on a eu la publication de nombreux indices PMI et les indices PMI collectés pré-Brexit confirment un bon momentum de la macroéconomie européenne.
Néanmoins, on a noté que les PMI étaient inférieurs en Angleterre. Effectivement, le Brexit se matérialise dans les chiffres économiques. Et puis, Monte dei Paschi di Siena, la banque italienne, une des plus vieilles banques italiennes d'Europe, si ce n'est la plus vieille, je crois. Donc, cette banque était sur des plus bas historiques hier à 32 centimes, en baisse de 76% depuis le début de l'année. Le titre a été interdit à la vente et donc rebondissait de plus de 10% ce matin. Mais le fait qu'une bancaire soit interdite de vente et que ça lui permet de rebondir n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut surtout dire qu'on a interdit la vente de la valeur car la situation était historique et donc très grave. Côté entreprise, Air Liquide présente un nouveau plan stratégique à échéance 5 ans. Sartorius Teddym acquiert la start-up américaine Kaseb System. Sanofi relève son offre sur Medivation à 58 $ par titre. Nicox publie des résultats de phase 3 encourageants et gagne plus de 10% ce jour. On en a parlé encore hier. Et puis bioMérieux annonce le lancement d'une base de données de pathogènes. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on note quelques titres en hausse de approximativement 0,5 à 1%, et on note des titres en baisse, mais les plus fortes baisses, c'est 1,3% pour AXA et 1,6% pour Peugeot. Donc on voit bien toujours le secteur bancaire, assurance et automobile sous pression. Néanmoins, vous pouvez noter qu'on n'est pas non plus dans un très fort marché d'aversion au risque. On n'a pas de chute des cours de 2, 3, 4% ou plus. Côté statistiques passées, donc on a eu PMI des services en Europe supérieur aux attentes hier, à 52,8 contre les 52,5 attendus. Et puis on a eu le PMI des services en Angleterre inférieur aux attentes à 52,3 contre les 53,1 attendus. Ce jour, à 14h30, on aura les balances commerciales américaines et canadiennes, donc à 14h30. Et puis à 16h, on aura l'enquête ISM. Et à 20h, on aura la publication des minutes du FOMC. Voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. Il s'agit d'un triangle noté 3 sur 5 en données journalières. Donc les cours du soja se sont fortement appréciés ces 4 derniers mois. Ils s'étaient stabilisés ces 2 dernières semaines. Et vous pouvez voir que, alors que les cours étaient repartis vivement à la hausse fin juin, eh bien, ils repartent encore plus violemment à la baisse en ce début du mois de juillet. Et si les cours sortent par le bas de ce triangle et confirment la cassure du support ici à 1100, eh bien, on pourrait avoir un retournement baissier et une consolidation qui se mettrait en place sur les cours du soja. Et on va faire le tour des matières premières tout à l'heure ensemble, car il y a de nombreux mouvements à commenter. On va passer sur la plateforme de CMC Markets, et comme tous les matins, on va débuter avec les indices boursiers. On va commencer par l'indice SP500. Hier, donc, on a vu que le SP500 avait réalisé 5 séances consécutives de hausse entre le mardi 28 juin et le lundi 4 juillet. Il était légitime qu'après ce fort mouvement haussier, eh bien, les cours du SP500 consolident hier et reviennent vers un support, la moyenne mobile à 15 séances. On l'a touché donc dans cette nuit à 2077 points, et on réagit depuis dessus. Si on arrive à tenir cette zone de prix, on pourrait se stabiliser dessus avant éventuellement de repartir à la hausse. Si par contre les vendeurs de nouveau appuient sur les indices, prennent des bénéfices et attaquent notamment les indices européens, on pourrait également avoir un test du support ici des 2065 points. Pour moi, c'est vraiment le pivot clé pour la suite. Tant que le SP500 est au-dessus des 2065 points, il est dans une tendance haussière de court terme et peut repartir à la hausse à tout moment. S'il venait à casser cette zone de prix, eh bien, on pourrait alors parler de retournement de tendance à la baisse et de scénario baissier. Donc pour le moment, les US, on est simplement dans une consolidation, une respiration de court terme en direction des supports. Va-t-on s'arrêter sur ce premier support et repartir? Tout dépendra des chiffres économiques et des minutes du FOMC publiées ce soir à 20h.
En tous les cas, tant qu'on est au-dessus de 2065 points, eh bien, les acheteurs gardent la main sur cet indice américain. Côté européen, donc le CAC 40, on a vu hier qu'il était en baisse légitime après une très forte hausse entre 3900 points et 4300 points. Le CAC retrace donc une partie de sa hausse précédente et il arrive ici dans une zone intéressante, la zone des 4100 points. On avait vu hier qu'il y avait un support intermédiaire de court terme à 4150 points. Il a été cassé en clôture. Il est donc légitime que la baisse ait continué en direction du support des 4100 points qui est d'importance. Et donc voilà. On va voir si cette fameuse zone des 4100-120 arrive à être protégée. Si tel est le cas, on peut avoir un redémarrage haussier. Si on venait à casser violemment les 4100 points, eh bien les vendeurs garderaient la main et on pourrait avoir plus de dégagement sur les indices européens. Même chose sur le DAX. Le DAX a cassé hier le niveau des 9550 points. Et il est en train de revenir vers la borne basse de son range de moyen terme. C'est la fameuse zone des 9350-9400 points. Tant que le DAX tient cette zone de prix, il peut y réagir et tenter d'y rebondir. Si le DAX venait à casser cette zone de prix violemment, les 9350 points, alors il y aurait des risques de redémarrage violent à la baisse dans le sens de la dynamique baissière en place depuis un an sur l'indice allemand. C'est bien évidemment la même chose sur le Nikkei. Le Nikkei avait rebondi la semaine dernière et s'était stabilisé sous sa moyenne mobile à 20 séances. Et il a plié hier et ce jour et revient vers ses supports. On verra dans les séances à venir s'il arrive à tenir sa zone basse ici en cours de clôture et à remonter ou si au contraire il menace lui aussi ses supports. Donc voilà, on a eu une violente hausse la semaine dernière. On est revenu sous des résistances manifestes. On y a échoué en ce début de semaine et on corrige depuis relativement violemment en Europe, un peu plus calmement aux États-Unis. Bien évidemment, les facteurs baissiers sont nombreux. Il y a les bancaires qui sont sous pression. Il y a le pétrole qui était en train de plier à la baisse. Les opérateurs ont également peur des politiques monétaires qui font que les taux sont désormais négatifs dans de très nombreuses zones. Ça engendre des déstabilisations sur les marchés financiers. Donc c'est ce qui explique qu'on assiste à des prises de bénéfices et à de la baisse depuis 48 heures. Néanmoins, quand on regarde le VIX, l'indice de volatilité, vous pouvez constater que le VIX avait littéralement explosé à la hausse le vendredi 24 juin suite donc au Brexit. Et puis par la suite, la volatilité était retombée. Or, vous pouvez voir que depuis deux séances, même si les indices baissent, ils baissent dans des proportions gardées, la volatilité n'est pas repartie violemment à la hausse, et donc on est dans un scénario de consolidation et non pas de correction baissière puissante. Donc si dans les séances qui viennent, on venait à casser les supports que je vous ai énumérés, à 4100 points sur le CAC, à 9350 points sur le DAX, à 2065 points sur le SP, c'est que les vendeurs prendraient la main et alors on verrait très certainement la volatilité décalée à la hausse. Qui dit hausse de la volatilité dit mouvement plus violent sur les marchés et dit souvent baisse des indices boursiers. Mais si et tant que la volatilité ne décalera pas fortement à la hausse, on est tout simplement dans un scénario de stabilisation, de prise de bénéfices, de retour sur les supports. Et donc, restons pragmatiques, tant que ces supports ne sont pas cassés, eh bien, on a aussi un espoir de stabilisation des indices boursiers, voire de rebond sur les supports que je vous ai montrés. Alors Georges me dit, un support est considéré comme cassé à partir de combien de points en intraday? En fait Georges, en ce moment les cours des indices sont tellement volatiles que je pense que pour parler de signaux valides, il faut prendre les données en clôture 4 heures, voire en données journalières.
On est dans des marchés qui sont relativement violents et relativement rapides. Donc, quand on est en intraday et qu'on casse des supports et que la volatilité est forte, eh bien, une cassure de 10 points sous un support peut être considérée comme valide. Après, quand on prend les données journalières, on peut passer sous un support journalier de 20 points ou de 30 points avant de les reprendre en cours de clôture. Donc pour moi, quand on fait du swing trading, quand on fait des opérations de trading sur des seuils journaliers d'importance, eh bien on attend tout simplement la clôture pour voir si oui ou non un support a été cassé ou s'il a tenu en cours de clôture. Donc voilà pour les indices boursiers. On a touché des résistances lundi, on a chuté mardi avec de nombreuses raisons qui nourrissaient l'aversion au risque. Aujourd'hui, mercredi, on arrive sur des zones de prix potentiellement attractives et on tente de se stabiliser. On verra d'ici la fin de la séance et demain matin si les acheteurs ont pris la main et qu'on arrive à faire des chandeliers de retournement sur les supports, ce serait plutôt positif. Si au contraire, on enfonce violemment les supports avec une hausse de la volatilité, alors on pourra parler de mise en place de scénarios baissiers et de scénarios correctifs de moyen terme. Donc voilà pour les indices boursiers. On va passer sur les actions françaises. Dans les actions françaises, vous pouvez voir donc Eramet, un titre du secteur des matériaux de base. Eramet donc chute avec l'aversion au risque, mais également parce qu'on a eu des corrections relativement violentes sur les matières premières. Air France n'arrive pas à dépasser la résistance des 6 euros que je vous ai montré hier, qui correspondait à un gap ouvert le jour du Brexit. Le titre Air France reste sous pression dans une tendance baissière. Il est sur un support de moyen-long terme, mais attention, si ce support venait à casser, ce serait un signal potentiellement puissant. On retrouve également dans les baisses des titres comme Valneva, une biotech qui est en tendance fortement baissière. On retrouve Renault, qui menace de casser son support de moyen terme. Quand on regarde le graphique en données hebdomadaires du titre Renault, on voit bien que le titre est sur le fil du rasoir, sur le bas de son oblique de sa tendance de moyen long terme. Donc attention à la clôture hebdomadaire. Et puis on retrouve aussi Faurecia, donc dans l'automobile, qui fait de nouveaux plus bas et qui retrouve ses plus bas de début d'année. D'ailleurs, on peut sûrement tracer ici un support oblique qui passe par tous les plus bas, mais vous voyez qu'on est en train de le menacer. Donc dans ces cas-là, on a plutôt tendance à regarder les zones horizontales de prix. On va voir si le titre Faurecia arrive à réagir, s'il reteste sa zone basse de prix de ses plus bas de 2015 et de début 2016. On a Vallourec qui, bien évidemment, est sous pression quand le pétrole consolide. Et puis ensuite, on retrouve aussi des valeurs toujours dans l'automobile, Valeo, Michelin. Et puis on retrouve des biotech comme AB Science ou des BV Technologies. Donc voilà, une séance d'aversion au risque, c'est généralement en ce moment baisse de l'automobile, baisse des biotech, baisse des valeurs des matières premières si les matières premières baissent. On peut noter néanmoins que les bancaires au moins ne sont pas dans les plus fortes chutes, ce qui montre bien qu'on n'est pas non plus dans une très forte aversion au risque. Nicox, donc, qui profite d'une bonne nouvelle, je vous en parlais dans la première partie de l'émission, reste très soutenu. Le titre est dans une tendance haussière puissante depuis le mois d'avril. Le titre est passé de 7 à 13 euros. Il a pratiquement doublé en l'espace de 3 mois, car les bonnes nouvelles s'enchaînent pour cette société française spécialisée dans l'ophtalmologie. Si vous vous demandez quels sont ici les objectifs 1 et objectifs 2, c'est tout simplement que lorsque le titre Nicox était sorti ici à la hausse de son canal baissier de long terme dans lequel le titre était depuis 3 ans, on avait cassé ici la zone des 9,3-9,5. Et je vous avais alors expliqué comment définir des objectifs théoriques et on avait défini les 12 euros et les 14 euros comme deux objectifs théoriques par effet de balançoire, mais également parce que cela représentait des niveaux très travaillés par le passé. Donc l'objectif 1 a été touché, ensuite les cours sont revenus ici. Regardez bien à quel point le retour des cours ici a été propre. On est revenu à 9,10
pile poil sur la zone de la cassure précédente et ensuite, hop, on est reparti violemment à la hausse dans le sens du signal qui avait été donné initialement. Donc Nikkox, même si elle est très volatile, elle respecte particulièrement l'analyse graphique. Ensuite, dans les hausses du jour, on a des titres spéculatifs ou des titres jusqu'ici délaissés. En exemple, Eutelsat, titre qui a perdu plus de 30% ces derniers mois et qui tente de se stabiliser. Même chose sur Solocal qui tente de se stabiliser sur ses plus bas historiques. Même chose sur Parrot qui est en tendance baissière depuis plus de 6 mois, bloqué par une oblique de tendance ici. Donc vous voyez que le peu de titres qui sont à la hausse, c'est des titres jusqu'ici délaissés, parfois massacrés, qui tentent de faire des petits rebonds techniques. Donc on a vu les indices, on a vu que les indices étaient en baisse mais qu'il n'y avait pas de très forte aversion au risque, on a vu que les indices avaient touché des supports et consolidé, on va voir si ces fameux indices réagissent aujourd'hui sur les supports clés, auquel cas demain on pourrait avoir des rebonds qui se mettraient en place. Sur les actions, donc on a vu qu'on avait l'automobile sous pression, les sociétés des matériaux de base sous pression, les biotech, et puis dans les hausses, on a le peu de titres qui profitent de bonnes nouvelles. Ensuite, on va passer aux matières premières. Sur les matières premières, donc on peut noter le soja qui a un petit peu cassé sa tendance haussière de court terme et de moyen terme. Le soja était jusqu'ici très recherché. Il a donné un signal baissier assez fort hier mardi en gapant à la baisse et en revenant très violemment sur son support. Il est posé sur son support à 1100 et donc on verra si ce support tient ou s'il casse. Si ce support venait à casser, eh bien la tendance haussière du soja serait terminé à court terme et une correction pourrait alors se mettre en place. Sur le maïs, on est violemment passé de la borne haute du range à la borne basse du range de moyen terme, dans lequel les cours du maïs sont depuis plus d'un an. On dit souvent en bourse que les excès sont corrigés par des excès. On avait eu des petits excès haussiers ici au-dessus de la résistance. Est-ce qu'on aurait ici un excès baissier sous le support ? Telle est la question. On peut voir que les plus bas donc, se sont faits ici en août 2015 et en janvier 2016 à 343 cents. Et on est revenu violemment sur ce seuil. Si ce seuil venait à tenir en cours de clôture hebdomadaire, eh bien, on pourrait tenter de rebondir. Si on venait à le casser, eh bien, retourner vers les plus bas de fin 2014 serait une possibilité. On va regarder le pétrole. Donc le point négatif, c'est que le Brent qui était dans un canal haussier est en train de s'en extraire au profit d'une latéralisation des cours. La bonne nouvelle, c'est que les cours en revenant à proximité du support ici à 46,80 ont réagi hier et ont réagi encore ce matin. Donc tant que les cours du pétrole seront au-dessus de ce support, ils pourraient réagir à la hausse et soutenir le compartiment énergétique. Si au contraire on venait à casser ce support cette semaine, ce serait signe de dégagement des opérateurs sur le pétrole et donc ce serait synonyme de plus de baisse sur le secteur énergétique, notamment les valeurs pétrolières et parapétrolières. On peut noter que le gaz a lui aussi corrigé, il est sorti par le bas de sa tendance haussière précédente. N'oublions pas que les cours du gaz ont pris 45% en l'espace d'un mois et demi. C'est un mouvement extrêmement puissant qui a eu lieu. Et donc hier, violente baisse, on a cassé la tendance haussière et on passe désormais neutre. Vous pouvez noter en fait que hier, sur de très nombreuses matières premières, on a eu des mouvements baissiers forts. Est-ce que ce sont des débuts de tendance baissière ou est-ce que ce sont des petits chocs baissiers puisqu'on s'est fait peur sur les marchés ? Pour l'instant, parce que la volatilité reste faible, parce que la hausse des actifs refuges reste modérée, eh bien j'ai envie de penser qu'on s'est fait des frayeurs hier. On s'est fait des frayeurs sur les bancaires, on s'est fait des frayeurs sur les matières premières, on a assisté à des mouvements un petit peu violents sur les devises. Mais on peut noter qu'aujourd'hui, ces mouvements ne continuent pas. La question que je me pose donc, c'est est-ce qu'on n'aurait pas eu des excès baissiers, un excès de pessimisme hier, un sursaut vendeur, et
Maintenant qu'on arrive sur les supports, est-ce qu'on va pas voir justement les acheteurs sortir du bois et reprendre un petit peu la main? C'est vraiment la question en suspens aujourd'hui. Si on voit les indices réagir sur support, si on voit des actifs comme le gaz ici tenir le niveau des 2,72 et se reprendre, si on voit le soja rebondir également sur son support, si on voit la volatilité retomber, eh bien on pourra qualifier le mouvement d'hier d'un mouvement correctif un petit peu violent. Mais ce n'est pas forcément le début de la fin sur de nombreux actifs, de la fin des tendances dans lesquelles on était précédemment. L'argent continue d'être particulièrement recherché, les cours de l'argent sont en tendance haussière et puis ils profitent nettement des taux bas. Le fait que les obligations plongent toutes, enfin que les rendements des obligations d'État plongent tous en négatif, notamment on a vu le 20 ans japonais passer en négatif pour la première fois de son histoire et on a vu le 50 ans en Suisse passer négatif également. Donc voilà, la déstabilisation du marché obligataire à cause des politiques de taux bas des banques centrales, eh bien ça a engendré un regain d'appétit des investisseurs pour les métaux précieux que sont l'or et l'argent. Ensuite, le blé. Donc là, très intéressant. Le blé est revenu sur un support majeur de très très long terme, testé au début des années 2000 ici, puis en 2007-2008 on s'en était approché. Vous voyez qu'on est de retour ici en 2016 sur ce support clé, la zone des 400-410 cents. On est revenu sur cette zone de prix violemment après 4 semaines consécutives de baisse. Les cours du blé ont perdu plus de 20% en ligne droite. On est revenu tester ce seuil. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la séance d'hier. On a fait une longue mèche basse qui est venue toucher le support de très long terme sur le blé. Et les cours ont réagi en fin de séance. Et les acheteurs semblent vouloir prendre la main ce jour. On a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 séances où les cours ont clôturé sous les cours d'ouverture, montrant une puissance vendeuse très forte. Si le chandelier du jour arrivait à casser le cours d'ouverture et à finir vert, ce serait un bon signe, ce serait encore un signe positif après le beau chandelier hier qui pourrait être assimilé à un marteau. Et un marteau, c'est un chandelier de retournement potentiel à la hausse. Donc voilà pour le blé. Ensuite, quoi d'autre? Les sucres consolident dans leur tendance haussière. L'or reste bien orienté et a cassé sa résistance. Une résistance qui devient support. Alors vous l'aurez peut-être noté hier, mais l'or hier consolidait à plat alors que les indices baissaient. Donc ce ne sont pas forcément les indices baissiers qui font monter l'or. Hier, le dollar consolidait et l'or ne montait pas pour autant non plus. Donc je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait monter l'or en ce moment. Et je pense que c'est vraiment la chute des rendements des taux obligataires qui fait que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à l'or. On a les taux longs US qui ont touché hier un nouveau plus bas annuel à 1,37. Et le fait que les taux soient comme ça extrêmement bas, eh bien, cela rend l'or de plus en plus attractif. Donc l'or, n'essayons pas de trouver des corrélations. Parfois l'or monte alors que les indices montent, parfois l'or monte alors que alors que le dollar monte. L'or est donc tout simplement dans une tendance haussière de court terme, de moyen terme, et est en train de tenter de relancer sa tendance haussière de long terme. C'est la raison pour laquelle les cours sont extrêmement soutenus. Et puis pour finir, le jus d'orange, c'est une des seules matières premières qui a continué de grimper relativement bien ces dernières séances. Le jus d'orange est dans une tendance haussière matérialisée par une oblique qui passe par tous les plus bas depuis 2 mois. Et tant que ce sera le cas, la hausse pourra perdurer. En données hebdomadaires, on peut constater que les cours du jus d'orange étaient coincés depuis 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 entre 104 et 164. On a réussi à casser la résistance et donc la hausse perdure.
et ce jusqu'à ce que la tendance haussière de court terme s'essouffle et qu'on vienne casser l'oblique de tendance haussière. C'est une belle tendance en tous les cas. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment une disparité parmi les matières premières. Alors, vous avez les métaux précieux qui vont monter quand les marchés sont sous pression. Vous avez les pétroles qui ont tendance à suivre l'appétit pour le risque. Et donc, quand les indices baissent, les pétroles ont tendance à être aussi sous pression. Et par contre, les matières premières agricoles, il y a une forte disparité. On a vu jusqu'ici le soja être très fort, maintenant un peu moins. On a vu les sucres être en tendance haussière très forte, tout comme le jus d'orange. Et parallèlement à ça, on a vu le maïs et le blé être totalement délaissés. Donc, quand vous tradez les matières premières agricoles, choisissez bien vos matières premières. Ensuite, on va regarder les monnaies. Parce que le dollar américain s'est violemment repris hier à cause de l'aversion au risque, et bien très rapidement, le dollar néo-zélandais n'a pas validé la cassure des 0,75 en cours de clôture. On est retourné sous la résistance et donc le dollar australien reste dans un range entre 0,73 et 0,75 jusqu'à nouvel ordre. Parce que le dollar s'est repris en séance en fin de journée hier, et bien donc l'euro-dollar a échoué sous la zone des 1,1180-1,12 qui est une zone de résistance claire. Cela nous a fait revenir sur le support de court terme et on verra ce soir, en fonction du comportement du dollar après 20h, après la publication des minutes du FOMC, ce qu'il se passe. Si le dollar est délaissé, l'AUD, l'euro, le NZD et la livre pourraient reprendre du poil de la bête contre ce fameux dollar américain. Si au contraire le dollar américain venait à continuer son appréciation relativement violemment, eh bien on pourrait assister à des retournements baissiers sur l'euro, le NZD et l'AUD et à une continuation baissière sur la livre. D'ailleurs, la livre, on va la regarder, la voici. Donc la livre est passée de 1,50 à 1,31 avec le Brexit, ensuite elle s'est stabilisée à plat. Hier, Marc Carnet nous a dit que plus de stimulus et de baisse de taux seraient possibles. La livre a été sous pression. À cause de la hausse du dollar, la livre a cassé les 1,30 et puis je pense qu'il y a eu des déclenchements de stop de protection en pagaille. C'est ce qui a engendré cette forte chute de la livre de 1,30 à 1,28. Est-ce que c'est un nettoyage, point d'interrogation? C'est une question dont on pourra avoir la réponse d'ici à fin de la semaine. Si la livre continue de chuter avec un dollar fort et qu'elle retourne vers ses plus bas, c'est qu'elle pourrait continuer de baisser en direction des 1,25. 1,25, c'est désormais le consensus de nombreuses banques. Si au contraire, le dollar américain venait à reculer nettement et si la livre reprenait la zone des 1,30-1,30-50 et qu'elle repassait au-dessus de l'oblique baissière ici en orange qui passe par tous les plus bas depuis le début de l'année 2016, alors on pourrait peut-être considérer cette forte chute entre 1,30 et 1,28 comme un piège vendeur, comme un moyen de sortir tous les acheteurs spéculatifs avant de repartir à la hausse. À noter que les investisseurs particuliers sont particulièrement à l'achat sur la livre et que cela ne plaide pas pour un fort mouvement haussier sur cette dernière, à moins que cette forte chute des cours entre hier et aujourd'hui ait totalement nettoyé le marché et sorti de nombreux acheteurs. Je vous rappelle quand même que à chaque fois que les opérateurs vont avoir peur sur les chiffres anglais, sur les perspectives de baisse de taux, sur l'immobilier anglais, etc., c'est la livre qui va en pâtir. Et inversement en cas de bons chiffres économiques. Donc, celui qu'il va falloir regarder attentivement ce soir et demain, c'est lui, c'est le dollar américain. Le dollar américain qui avait nettement rebondi suite au Brexit, qui s'était stabilisé ensuite pendant une semaine. Et vous pouvez voir qu'hier, le dollar, il est nettement reparti à la hausse. C'est ce qui a fait décaler de nombreuses matières premières à la baisse. C'est ce qui a fait décaler de nombreuses paires de devises à la baisse. Donc vous l'aurez compris, si le dollar américain casse ses plus hauts du jour et casse les plus hauts du lundi 27 juin en cours de clôture
et se dirige vers ses plus hauts du lundi 27 juin en séance, c'est que on est peut-être dans un retournement majeur du dollar américain à la hausse, auquel cas les matières premières et les paires de devises en dollars pourraient rester nettement sous pression. Si au contraire, ce soir, on voit le dollar américain retourner vers son support, eh bien, matières premières et paires en dollars en profiteraient très nettement. C'est la raison pour laquelle le titre de la matinale du jour était les taux et le dollar au centre des attentions. Il faut regarder les taux d'intérêt qui ont une forte comment dire, conséquence sur notamment les cours des bancaires et les métaux précieux. Plus les taux baissent, plus les bancaires sont sous pression baissière, plus les métaux précieux sont sous pression haussière. Et concernant donc le dollar, il faudra voir s'il repart à la hausse ou se stabilise dans un range, et cela aura un impact très fort sur de nombreuses matières premières et les paires en dollars. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est sur des marchés qui se cherchent, entre des marchés correctifs et baissiers et peureux et des marchés qui tenteraient de se stabiliser. On va voir si d'ici la fin de la séance, les supports cassent ou s'ils tiennent. On va voir si le dollar s'apprécie ou s'il recule vers ses supports. Cela nous donnera, je pense, des informations clés pour la suite. D'ici la fin de la semaine, on va aussi avoir les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, vendredi, le NFP. Ça va avoir un impact bien évidemment très fort sur le SP500 et sur le dollar américain. Donc j'espère bien d'ici la fin de la semaine qu'on va réussir à noter comme ça des mises en place de nouvelles tendances, des équilibres, des corrélations et que cela va nous aider au quotidien dans les opérations de trading. Donc voilà, c'est la fin de cette matinale. Je regarde s'il y a une question à laquelle je n'aurais pas répondu. Philippe me parle du blé sur le support de très long terme. Donc effectivement, Philippe, quand on a des indices qui ne sont pas forcément évidents, si on n'est pas à la baisse sur les indices ou qu'on n'a pas envie de jouer la baisse sur les indices, eh bien aller sur des matières premières, notamment agricoles, peut être un bon moyen de se diversifier. Thierry nous dit, et sur GBP/USD, que pouvons-nous faire? Alors jusqu'ici, la livre était fortement baissière, donc c'était la baisse qu'il fallait privilégier. Ça, je ne vous apprends rien. Après, voilà, concernant la livre, elle est volatile, elle est dangereuse. C'est à vous de voir si vous avez envie de vous y frotter. Tant que les marchés sont sous pression, seront baissiers et qu'il y aura un peu de peur, eh bien, la livre sera sous pression et sera baissière. Si au contraire, à un moment, on avait de l'appétit pour le risque ou bien un retournement sur le dollar, eh bien, on pourrait avoir un rebond technique qui se mettrait en place sur la livre. La question est de savoir si, avec la chute des cours entre 1,30 et 1,28, c'était un essoufflement baissier ou tout simplement une continuation de la chute. On verra cela avec la clôture de ce soir et le début de séance de demain matin. Thierry me dit, que penses-tu des minières comme Franco-Nevada, Silver Wheaton pour accompagner la hausse de l'or et de l'argent? Alors Thierry, depuis le début de l'année, l'or a pris 25%, l'argent a pris 45%. Et les minières aux US, notamment l'indice des petites minières, a pris 110% à la hausse. Donc si vous achetez des minières maintenant, soyez quand même conscient qu'elles viennent de s'apprécier de plus de 100% depuis le début de l'année. Après, pour savoir quelle minière choisir, là, je vous laisse faire de l'analyse technique, regardez lesquelles sont les plus fortes, regardez lesquelles surperforment les cours de l'or. Je ne les ai pas suivis et je ne peux donc pas vous aider sur ce sujet. Jean-Louis me dit, bonjour Nicolas, Nicox devrait rester très volatile. Elle attend un résultat de la FDA avec date butoir le 21 juillet pour son médicament phare, le Vesno. Bien écoutez, merci Jean-Louis. Je connais donc désormais l'éventuelle bonne nouvelle qui pourrait faire rallier les 14 euros et donc le second objectif haussier sur Nicox en cas de bonne nouvelle, bien évidemment. Pascal me dit, est-ce que la baisse du titre Air Liquide est-ce qu'elle est justifiée? On va regarder ça. Bah, le titre Air Liquide, en fait, depuis le début de l'année, il est très stable. Contrairement à d'autres titres qui perdent 10, 15 ou 20% depuis le début de l'année, le titre Air Liquide depuis le 1er janvier, il perd à peu près 10%. Donc voilà,
Air Liquide a présenté un plan stratégique, a représenté un plan stratégique. À chaque fois, les plans stratégiques n'ont pas plu aux investisseurs, ils le font savoir au marché. Air Liquide, regardez quand même le graphique de très long terme. C'est un titre qui était en tendance haussière depuis 2009, qui pendant 6 ans s'est apprécié de 50 à 120 euros. Là, on est tout simplement en train de se stabiliser sur la zone des 90 euros. C'est une zone clé travaillée en 2011, 2012, 2013, 2014. Tant qu'on tient cette zone de prix, on peut s'y stabiliser. Par contre, attention, si les indices boursiers venaient à plier, si les supports de moyen terme étaient menacés, Air Liquide pourrait faire de même et menacer les 90 euros et dessous. Rapidement, il pourrait y avoir 10 à 12% de baisse en direction des niveaux travaillés en 2011, 2012. Donc non, Thierry. Je n'ai pas l'impression que cette baisse du titre Air Liquide soit injustifiée. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Faites bien attention à vous, ça devrait être encore une séance volatile. D'ici ce soir, 22h, la clôture, on devrait avoir des informations très intéressantes sur les indices, sur les monnaies, sur le dollar, sur les matières premières. Ça nous donnera peut-être plus de visibilité afin d'émettre des scénarios sur certains actifs. Pour l'instant, les marchés sont volatiles et pas forcément évidents. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez prendre des risques de rentrer sur ces marchés volatiles. Prenez bien soin de mettre des stops, des objectifs et de respecter les règles de money management habituelles. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne séance de trading et je vous retrouve demain matin pour faire le point à 10h pour la matinale. Bonne journée à tous.